La vidéo pense au Balandia magazine d'actualité RDC ou à Bassango. Pour tomber les binômes, Bolandi, Bolam. Allez la paix.
matati oh panete de soutien au phare DC organisé par le collectif Allez-y le phare DC. Aux vaillants militaires, vous servez la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays. Vous avez choisi, soyez-en sûrs, le bon métier de soldat, comme l'a déclaré Bonaparte, un homme n'est rien s'il n'est précédé d'une réputation militaire. En effet, ce métier que vous connaissez les risques et les exigences, vous en avez quand même choisi sans hésiter ni reculer. Oui, votre choix de verser le sang pour la République démocratique du Congo, notre nation, suscite en nous Congolais, dans notre diversité, au sein du collectif Allez-y les phares DC, un sentiment patriotique sans précédent de vous rendre nos vibrants hommages et vous témoigner notre gratitude. Vous allez jusqu'au bout de votre engagement. Vous accomplissez votre devoir selon la haute idée que vous en faites. Vos succès avec discipline, fidélité et prouesse à Maguina, Kalehe, Madina exigent à nous de vous rendre les honneurs dignes d'un peuple à son armée. Certains braves parmi vous sont tombés dans une guerre où des assassins fanatiques et sans honneur cherchent à asservir par de terreur des hommes, des femmes et des enfants que vous avez la mission de sécurité, de sécuriser et de protéger contre cette violence aveugle et meurtrière. Vous prenez de grands risques, chers phares DC. Vous laissez loin de vous, non pas par contrainte, mais par un patriotisme presque divin, vos femmes, vos maris et vos enfants, protégeant la vie quotidienne de ce que vous devez défendre parce que vous croyez que vous ne pouvez les défendre de loin. Vous prenez l'audace très légendaire de mettre vos vies en permanence en sécurité pour sécuriser d'autres vies. Nous vous assurons, chers militaires, que ce n'est pas en vain que vous vous donnez jusqu'au sacrifice suprême. Combien notre histoire est pleine d'exemples, de glorieuses victoires, urbi et orbi, de notre armée, de nos phares DC. Les victoires qui imposent à d'autres pays un énorme respect à l'égard de notre nation. De ce fait, nous demandons à tout Congolais, partout où il est, de s'approprier de son armée et de ne jamais l'attribuer à un régime ou à un individu. Certes, les phares DC sont l'affirmation de notre vouloir vivre ensemble et de demeurer libre sans jamais devenir esclave d'un individu ou d'un pays, quelle que soit sa puissance militaire, économique ou technologique. Notre armée n'est pas seulement l'ensemble de munitions,
des guerres et des hommes en uniforme. Elle est aussi l'expression la plus idéale et la plus achevée de la continuité de notre État. Par conséquent, nous recommandons au gouvernement d'améliorer les conditions de vie de nos militaires et leurs familles, de prendre en charge les blessés de guerre et de leur assurer une meilleure vie, d'immortaliser le militaire tombé sur le champ de bataille. Par ailleurs, nous demandons aux Congolais d'honorer son armée, de coopérer avec elle et de la soutenir dans la réalisation de sa mission. En effet, il est difficile à une armée de gagner une guerre sans le soutien de son peuple. Comme le soutient Georges Clemenceau, la guerre est une chose trop grave pour la confier qu'aux seuls militaires. Que vive le peuple congolais dans sa diversité, que vive son armée, le FARDC, que vive le collectif, allez-y, le FARDC. Je vous remercie. Allons-y! Le FARDC! Allons-y! Le FARDC! Allons-y! Le FARDC! Le FARDC! Le FARDC! Le FARDC! Oyo, tu bandaki yango, bandakala, na kota la lolenge nini mboka na biso. Na histoire na yango to bandaki na colonisation et puis na dictature lolenge nini mapinga na biso ezalaki considéré vis-à-vis ya population tango nyonso to yebite bo bundami bonguna ezalaki entre population na armée yango biso to kanaki te to sangana na lingomba na biso allez-y le FARDC pona kotala lolenge nini to koki ko salisa bandeko na biso ba congolais ba yebate Mapinga na biso ezali pona mboka. Tozali susu na époque oyo ya colonialisme teto ya dictature te oyo mapinga ezalaki na service ya individu contre la population. Na tangu oyo peuple na biso ba compatriotes na biso esengeli bayebate l'armée est un instrument républicain. Elle a besoin de nous et esengeli na biso tozala na sima na yango pona ko soutenir yango nde makanisi penza et pour ça ki biso tozala Lingomba Oyo, allez-y le FARDC. Après Awa, lorsque vous reçoit la marche pour soutenir le FARDC, donc vous prenez ce pas. Nabanzu Oyebi Pambate Mbala Liboso Teto Salanayo. Déjà to salaki ba activité belé na compte ya Lingomba na biso allez-y le FARDC kasi ezalaki nanu na mobomba mo ya kobombama mais le londe ezali activité o ezali populaire yango to sali pona kolakisa série ya activité o kolanda sima ya auto sali lelo oyo on aura beaucoup d'activités auto ko sala mbala ya sima après mokolo ya lelo. Merci. Bonjour. Si la présence n'angawa est d'abord comme citoyen, naé comme citoyen congolais, suppose à la citoyen namboka il faut à la namabélé, aux à la na pouvoir il faut à la armée. Donc soit il est là citoyen congolais, et ça parce que mabélé morobo est comme on a au Congo, et ma belle, on les a protégés par ma soldat, ma militaire. Sauf ma militaire, on a basé la sous ma belle, on peut se la tête encore, ma pas apatride. Il fallait, là, comme citoyen, répondre à l'appel avant de connaître le collectif, le citoyen. Pour bisso ma politique, il faut que nous au-delà, il y a ma moussoussou. Ben, instrument républicain, attention aux yeux, on va changer en côté dans 2-3 jours. Armée, oh, qui que tu sois, Soro yena Nicolas à la tête du pays jamais aux 2-3 jours pour mettre ça à l'armée na yo. Yango wala to comprendre que faire des César. Quelles que soient les conditions, il faut te soutenir en haut pour balkanisation ça les maté pour pas protéger un territoire en bord à la biso parce que armée monte gagne à Etumba sans soutien à la population. Merci. OK. Ambote ndeko journaliste. Bonjour, Ndeko journaliste. Ok, initiative est louable. Et to lanti appel ya bandeko na biso collectif. Allez-y, les FARDC. Et la coloration politique te. Parce que aucun pays dans le monde et qui peut vivre ce qui armé na bango et la forte. Toye ko soutenir mbandeko na biso
pona kolakisa ke bato bandima basala sacrifice suprême ponga na lala na kimia il faut na soutenir bango parce que na mboka na biso ezana bato ba négligeaka armée. Or armée c'est le poumon, c'est l'espoir de tout un pays. Ce qui armée na biso eza forte te munguna akoya ako détruire biso. Mendenge armée na biso par rapport ya bitumbo ezalaki na ya est à Longi, à Zui Passion et à Medina, ouais, ça a 20 ans que tu as qui en côté. Suite à cela, tu es pour soutenir l'armée Nabisopo et à la forte, comme ma première armée en Afrique. C'est ce qui a fait ce que tout ça la présence Nabisopo. Tu es pour soutenir l'armée Nabisopo en Souka, pour comme la première armée de l'Afrique. Merci beaucoup, Ndeko journaliste. Tout ça, nous avons force. Forces armées nationales de la République démocratique du Congo. Et ça, c'est un peu comme ça. Et puis, ils ont bandé que les gens ont fait le rôle de la Bissot. Mais ils ont sacrifié la vie de Bango parce qu'il faut protéger Bissot, les citoyens. Alors, Bissot, les citoyens, il faut tout encourager Bango, tout soutenir Bango. Et puis, Bissot, les citoyens congolais, tout cultiver la culture. Il y a honoré na ba devoir na biso ko futa ba impôt o e ko sala ke bande ko na biso wana bazala ba futa makitoko ba vivre pe na ba condition ya bien yango wana to ndimaki na mbela ya bande ko na biso ya collectif o bazwa eli kanisi ya malamu ya ko sala sa marche de soutien oyo pour que tobima to la sa population congolaise que toza na devoir ya ko soutenir bango ya ko collaborer na bango parce que sans biso bango pe ba ko travailler te toza na obligation ce que toza na ben formation ya batu mabe o baza olinga ko koisa mboka na biso il faut to dénoncer donc yango na ndeki mutuya ya participation na biso na activité o. Merci.